Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure où vous regardez nous là, l'heure où vous suivez nous là. Et pour qu'on y aille, nous trouvons dans Pétionville. Exactement dans le marché Chada, à côté qu'il y a un petit fait éclaté. Et pour soirée là, qui est à la cause déjà gagné, en pile marchandises qui déjà prêt de fait. Mais pour qu'on y aille, nous avons présence de trois camions pompiers qui ont essayé d'éteindre fait ça. Mais nous-mêmes, nous présents pour nous capables de faire vivre comment ça y est. N'oubliez pas de vous abonner, partager, faire un mon famille, connecter ensemble avec nous, puis vous êtes toujours au courant des travaux que nous avons fait dans Port-au-Prince pour le moment là. Chargé marchandise là-dedans et les pompiers eux-mêmes apprennent qui veut que eux-mêmes sont capables et arriver sauver quelques marchandises dedans quand ils ne salent même pas nous-mêmes nous là pour nous permettre qu'ils vivent comment ça y est. C'est des beaux. Thank you.
voilà, c'est comme ça, monsieur pompier Pétionville, Pétionville, APC, ouais. Dans quelle mesure, même, vous êtes capable d'identifier ça, nous, ouais, avons un conteneur lui-même, qui déjà, et toute marchandise là-dedans déjà fin boulé, mais mettre business ça lui-même, déjà présent là. Mais nous-mêmes, nous là, pour nous capables de permettre que vous vivez comment ça y est, au niveau de Pétionville, dans marché Chada, après, gros business ça lui-même, qui était fin éclaté, qui déjà boulé, plusieurs business, dans ligne déjà boulé. Et nous-mêmes, nous là, pour nous capables de permettre que vous ayez une idée, de comment ça y est, là, nous, ouais, monsieur Pompier, a essayé de casser cadenas pour être capable de. Il y a PC. Ouvrez des pots. Voilà. Il y a PC. Question!
qui a fait là, c'est grâce avec le pompier Delma qui est sorti dans la commune Delma qui vient de porter le Sibouyo. Bah, Pétionville, dans le moment d'en parler là. C'est grâce avec pompier Delma qui fait Pétionville lui-même. Qui fait ça pas propager dans toute Pétionville. C'est pompier Delma lui-même, Wilson Gentil, magistrat Wilson Gentil lui-même qui voyait pompier Delma, vite identifié ça. Lui-même qui était éclaté dans Pétionville. C'est bon ça. Salutations spéciales par magistrat Wilson Gentil lui-même qui portait la main forte avec magistrat Pétionville là pour capable d'identifier ça. Et après que vous avez fini recevoir l'aide, mairie de Pétionville n'a pas bien assez et suffisamment de qui pour identifier ça. Mais nous avons magistrat Wilson Gentil sorti pompier lui-même qui sorti depuis Delma, commune Delma, qui vient porter renfort par la commune Pétionville pour capable arriver. Et ça. Mais nous-mêmes, nous là pour nous permettre de vivre comme ça y est. Et au niveau de Pétionville, dans le moment où on a parlé là, il fait exactement 9 et quelques bonnes minutes. Nous trouvons dans le marché Chada, Pétionville, pour nous permettre de vivre comme ça y est. Dans le cadre de Botifé, ça lui-même qui est éclaté, qui déjà voulait plusieurs business. Mais origine du ça, nous pouvons connaître vraiment. Mais par rapport avec un gros pile fatra qui gagne dans la zone si là, nous capables de dire, peut-être c'est capable de faire qui te gagne dans pile fatra qui arrive à traverser. Et qui vivait boulé et business mounio, mais jusqu'à maintenant, origine nous pouvons capable de bailler et pas de personne qui prêt pour ta bailler, mais nous même nous sous place pour nous permettre de vivre comme ça y est. Mais pour remarquer qu'il y a plusieurs conteneurs qui ont un business là-dedans et provisions alimentaires, ou même bail ça y est passé en bas de fait. Nous avons regardé, nous avons jusqu'à maintenant, différents pile fatra, il faut qu'on finisse maintenant, mais quelques conteneurs ça même yo déjà boulé rapide pa gen rien qui sauver en dedans yo et jusqu'à maintenant nous mairie de mairie Delma capable porter qui porter renfort by mairie de Pétionville dans ça qui est avec pompiers parce que pompiers Pétionville même semblait pas en mesure pour capable finir éteindre ça.